Alors, messieurs, dames, vous avez une pomme de terre imprimée avec de l'olive noire et de la poudre de tomate, de la viande des grisons avec de la roquette et du citron et un champignon farci. Messieurs, dames, vous avez un jaune d'œuf dans le fond avec de la moutarde à l'estragon. Ensuite, vous avez des dés d'asperges blanches et une émulsion d'asperges vertes. Très bien. Alors dans le pain, vous avez le tourteau décortiqué avec au-dessus une émulsion de jus d'huître. Le petit boudin à côté, c'est la pince reconstituée et tiédie au beurre de thym. Et à côté, dans le ramequin, le crémeux de corail. Super, bon appétit. Merci. Vous avez les mourilles fraîches farcies de foie gras. À côté, donc, c'est une asperge blanche. Et sur les mourilles, vous avez du lard et colonnada. C'est un lard italien. Donc, voici la sole cuite sur l'arête avec une dentelle rôtie, épinards et citron confit. Super. Donc, vous avez le filet de la... Ah, c'est la truffe. La volaille, avec les, la poulette avec les truffes. La petite saucisse que vous avez, c'est la cuisse de la poulette. On fait comme un petit boudin blanc dans l'esprit. Hein. Cuisse, c'est pas des croustillant, boudins. Le croustillant dessus, c'est la peau qu'on a séchée au four. Là, vous avez tous les tagliatelles de légumes. Donc, vous avez carottes, navets, céleri, choux, et un peu de poireaux. La sauce poulette. Et puis là, la purée de pommes de terre. Donc vous avez... Qu'est-ce que vous avez ? Pouligny-Saint-Pierre de Martizé, Valençay, Saint-Maur de Touraine, hein, Celles-sur-Cher, Brebis de Pérusson, Mont-d'Or, Camembert, de chez Marie Arène, Comté de 18 mois et du Mont-d'Or. Et moi j'ai la... Madame, vas-y. Chef. Messieurs, dames, vous avez le millefeuille aux pommes avec le sorbet à la pomme verte. Madeleine citron noisette, cerise café. Cerise à l'eau de vie, parce que nous on a de l'alcool. Agrumes sablés, et l'autre c'est thé et orange. Tout ça pour le manger. Non, c'est vrai, ça se mange. Hein. De l'eau, mais c'est original. Ouais. C'est ça, c'est ça. Nous avons 125 g de beurre pomane, et on c'est pour faire le beurre de genièvre. Hein. Oui. Alors on va mettre un petit peu de sel. Pas trop, parce c'est fort ça. Oui. Dans le Poitou, tu sais, il y a un très bon beurre salé. Hein. Non, mais moi j'aime pas. Ou dans l'Indre-et-Loire. Moi j'aime pas le beurre salé. Je trouve que quand on met du sel dans le beurre, c'est que le beurre n'est pas bon. Alors une cuillère à café. C'est la dernière, celle-ci, je l'avais jamais entendue encore. Bon, une bonne cuillère à café de genièvre. Tu me troubles. Vous êtes bien, ça dit où, pour la carotte, hein?